Bonsoir, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Dossier spécial ce soir consacré au Picard, cette langue que les nordistes appellent le ch'ti. Deux noms, mais une culture commune que certains considèrent en voie de disparition. État des lieux, Jean-Christophe Lépine, Jean-Pascal Crinon. Flixecourt, petit village de Picardie. Comme chaque année, les habitants y fêtent la culture picarde, au rythme des fanfares et du pipasso, la cornemuse traditionnelle. Ici, on défend la langue picarde et on tente de lui donner un nouveau souffle. Difficile, car cette langue mal aimée est en voie de disparition. La langue picarde, c'est pourtant un territoire immense. Presque toute la Picardie administrative, la quasi-totalité du Nord-Pas-de-Calais, où on l'appelle le ch'ti, on la parle aussi en Belgique. Enfin, on l'a parlé jusqu'à la Première Guerre. Le français s'est imposé après à travers la radio d'abord, la télé ensuite, l'école bien sûr, donc toutes les institutions qui n'utilisaient que le français et ont laissé de côté les différentes langues régionales. Donc finalement le sort du Picard là-dedans n'est pas du tout différent de ce qui a été le sort de toutes les langues régionales en France. En région Picardie, la langue picarde se maintient tant bien que mal. À Naour, prononcé Nord, les élèves de primaire peuvent redécouvrir la langue. Vous êtes prêts chez Nazu? Oui! Alors, aux avanchons, mais aux avanchons en silinche. Un silinche. C'est parti! Vous avanchez dans le piège, puis vous asseyez sur chez Cayenne. D'accord! Alors, Mitchot, comment qu'on dit les jambes? Les gambes? Oui, super, ouais. Un point! Ouais! Alors, Mitchot, comment qu'on dit le nom? La première chose, c'est de rendre le Picard un peu, enfin de lui donner une autre image que celle qu'on peut lui donner. Ça fait rigoler, c'est marrant, et on oublie toute cette culture qui va avec cette langue. Tchèchki Bucalporte, bonjour chez Jinc, ma chavo, vous voulez d'âge pays de Bré-Picard. Un peu rentré à nos maisons, si vous voulez. Installé à côté de Beauvais, dans l'Oise, Philippe Boulefroy est un ardent militant de la langue picarde. Au fil de son travail de recherche, ce musicien a collectionné plus de 4000 chansons écrites par des poètes lillois, valenciennois ou tournésiens. Elle tokeno lui répond aussitôt. Bah, y'a un pour ton livre de gros. Bah, y'a un ch'ti qui est plus rare. C'est quand même incroyable qu'on puisse trouver des comptines dans l'Oise qui ont été compris et chantées et qu'on va retrouver les mêmes en Belgique, on va retrouver les mêmes à Lille. Donc c'est quand même un grand territoire où ces gens-là ont eu une même manière de penser, où ces gens-là ont eu les mêmes jeux, où ces gens-là ont eu les mêmes chansons. Il crio comme un marchand d'oche, afin d'être entendu de Tertout. Avenez vite au théâtre Boboche, avenez vite au théâtre d'un sou. En fait, c'est surtout en Nord-Pas-de-Calais qu'on semble vouloir oublier la langue d'ici. Le Picard appelé ch'ti reste cantonné dans les villages ou les ex-territoires industriels. Pas de politique régionale, très peu de subventions. C'est là où il est le plus parlé que le Picard disparaît le plus vite. Pendant la grande vague industrielle, il y avait pourtant des centaines de théâtres picardisants dans le Nord-Pas-de-Calais. Alain Guimain possède l'un des derniers. Il y a un énorme décalage dans nos régions entre la présence de la langue traditionnelle de la région, en l'occurrence du Picard, et sa présence officielle dans les journaux, dans les médias en général. Il faut chercher dans les coins, hein, c'est rarissime. Et dans l'espace public, c'est rarissime aussi. Il faut changer de pays pour voir une langue qui vit. De l'autre côté de la frontière, en Belgique, le Picard fait partie de la vie quotidienne. Il a le droit de citer partout, même à la Maison de la Culture de Tournai. Bruno Delmotte y organise ateliers et concerts. Il traduit aussi de nombreux livres en Picard, des best-sellers. Popote est en train de ressuer de grosses crasses gifs avec un BD des Edmen. Ah ouais, mais ce papier triple épaisseur, il absorbe fait le main-bain. Et Baptiste, il dit un pub chez le numéro super rare avec couverture à hologramme. Il y a un paradoxe, il n'y a jamais eu autant de monde dans les salles où on fait du cabaret ou du théâtre en Picard. Il n'y a jamais eu autant d'éditions en Picard, et souvent de qualité. Mais il n'y a jamais eu si peu de gens qui le parlent. Et donc il y a peut-être la prise de conscience des gens qu'un patrimoine est en train de leur échapper. Et donc on essaie de rattraper ce qu'on peut. Un besoin poussé jusqu'au nom. La région de Tournai, auparavant nommée Hainaut occidentale, est devenue la Wallonie picarde. Partout, le Picard est remis au goût du jour, l'inverse de ce qui se passe à Lille, pourtant dans la même eurométropole.
Ça nous a permis de négocier et de discuter avec nos voisins flamands du Courtrai. Même chose avec Lille. Nous n'aurions pas pu entrer dans ce dialogue sans être d'abord un territoire avec une attache culturelle qui est au départ cette obédience à la langue dialectale du Picard. Salut ma vieille ma tante. Enfin, non, ma bielle ma tante. Chez nous, l'avenir de la langue dépendra de la capacité des générations à se renouveler. Gildo a grandi dans les quartiers populaires de Roubaix. Devenu slammer et musicien électro, c'est en Picard, en ch'ti, qu'il préfère communiquer. L'avenir du Picard, c'est peut-être lui qui en possède les clés. En ch'timi, on peut faire de l'électro. J'ai aussi un one-man show en ch'ti. Et voilà. C'est pas la langue du passé, c'est chez te lingue d'Aster et que voilà, il faut continuer de la faire vivre et de la transmettre à ses tchogarchons. Chez toi de fil. Je te reconnais, tu. Tu viens de ma coin. Je t'ai rencontré d'un chez rue de Roubaix ou à tout coin. Tu viens de le Nord-Pas-de-Calais et t'en es fier. T'as parlé pas toi, même avec monsieur le maire. Partout d'où que te vas, te souviens que t'es un ch'timi. Et chaque fait tout drôle qu'un t'retourne d'où que je sais que t'as grindi. Main fieux, je suis fin bénage de te vire. Allez viens, on va aller se printer une bière. Voilà, et tout de suite le 19-20 continue. Très belle soirée sur la 3. À demain. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.